vers le son, et gueule le son, voilà. Et on t'aime tout. Alors, hop, hop, voilà. Ah, mais ça change tellement tout là. Donc du coup, ordres, non, non. Ouais, t'as de la chance. Mec, il veut que je lui apporte du café. T'as vraiment cru que j'avais que ça à faire. Coco, si c'est toi, je veux bien que tu me dises si genre tout va bien cette fois. S'il y a bien le jeu, ma voix. Et si c'est pas toi, enchanté en fait, d'ailleurs. Ça demandera des choses quand même, hein. Alors, blablabli, blabli, blabla. Je suis pas marchand de café, moi, les gars. Je suis exploseur de tum-tum. Alors, monsieur café, bouffe ton café. Ah bon. That is correct. Un volcan. Magnifique. On se tait, autre chose à faire. Ah oui, c'est carrément une autre zone du coup. Ah ouais. Ah ouais, là on va capter. D'accord. D'accord, d'accord. Ça, c'est pas mal.
Oh, des couettes. Oh, je veux les couettes. Oh, je veux les couettes. Oh, je veux les couettes. Direct. Ah, je veux grave les couettes. Je vais économiser pour pécho les couettes. Vous gueule, vous. C'est ça que je veux, moi. Ah. Du coup, au marchand, peut-être falloir que j'en achète quelques-unes des Temtem 4 plus là. 10 nouvelles zones. Coûte cher, mais. Voilà. Moi, je vais tuer des mobs. Clairement, je suis en mode farm et rien ne m'arrêtera. Ah ouais, d'accord, il y a même du. Ah, au-dessus, ça doit être une arène. Qui c'est ça? Faire trop mal. Idody. Je vais plutôt t'appeler Chenillas. Chenillas. Et envoyer un Temtem deck. Alors, équipe. On va continuer à mettre lui en. Hop, et on va. Voilà. On va faire un tour, hein. Non, c'est pas à toi que je cause. Forcément. D'accord. Ouais oui, ouais non.
tank. Le coco. Ça y tank moins. Ah, ils en ont 4. Cool. Ah, level 25. Qui c'est quoi ça? Oh, il est choupinou, lui. Alors. On va t'endormir directement. Et toi, pendant ce temps-là, un petit bizarre dans tes bouches. Oh. Oh, il m'a brûlé. C'est vrai que j'ai pas encore de Pokémon feu. J'ai raté trop tout brûlé. Et bonsoir à toi. Alors. Sa chimie. J'adore. Bon bah c'est bien, qui dit nouvelle zone, qui dit grosse session de farm. Hop, directement un bon gros coup de foreuse dans tes dents. Je suis à combien de mana? Je suis à largement assez, du coup on va plutôt aller taper celui-là. Ah, je pensais que ça faisait x2. Ouais, classe cette attaque. Mais ça brûle ça. Aïe. J'ai un PV par contre. Ça lui a pas fait si mal que ça. On va voir si... Ah, voilà. Si j'ai le temps de lancer... Ah, c'est dommage. Ouais, voilà, j'aurai pas le temps, forcément. C'est le décès. À grand coup de foreuse. Fouet tentacule. Tremblement, ça lui fait passer les tours, je crois. Je me suis fait un peu mal. J'ai pas compris. Ah. Ah oui, c'est pas si ouf en fait, l'attaquant et l'attaqué. Ah, j'ai pas lu ça. On va tester le jet sous pression. Ah, on va pas tester le jet sous pression. Allez. Et non, vous avez pas gagné, vous êtes fait laver les filles. Je suis désolé, hein. Désolé de vous dire ça, mais ça s'est pas bien passé pour vous.
Allez. Allez, mettons-nous sur la tronche. Il faut de l'électrique pour lui. Shrapnel. Allez. Hop. Qui c'est très très moche ça. Je vais quand même faire une petite manipulation d'énergie. Bon, allez hop. Ah si, ça fait mal ça. Et voilà. Ah mais attends. Ah d'accord, c'est des zones pas mal foutues. Sauf que je peux pas aller sur le côté, mais je peux avancer, c'est déjà ça. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, toi t'es comme ça, toi. Tu oses me traiter de débile. Tu vas se faire. Alors, directement. Petit turisol dans ta face et foreuse dans ta face. Ok. Allez, sashimi, c'est parti. Viens te faire rect. Oui.
Ah, il est mort en premier. Aucune importance. Hop, un petit peu d'XP. Allez, Kalazou. Ouais, il lui en reste un. Allez. Je vais bizarre directement sa bouche. Que je pensais. De baisser ta défense, Coco. C'est pas une bonne idée. Bah si, j'en ai rien à foutre. La gueule! T'as compris, t'as tes rues? Comme ça, c'est lui qui prend tout l'XP. On va se prendre un petit fumigène. Et voilà. Je pense que c'est le donjon. Forcément. Il y a un truc d'œuf là-bas. Attends, c'est intéressant ça. Bah, hé, hey, c'est pas tes oignons, c'est tout, point. On va swap. On va jouer, on va jouer.
Mais c'est un haut, je suis con, moi. Bah oui, mais si, si, justement. Faire bien lui, sinon on l'aurait utilisé, ouais. Ok, parfait. Je vais monter absolument mes Pokémon de glace et je vais l'exploser celui de ce temple parce que je suis en train de monter justement tous les Pokémon de glace et tout. Toujours pas évolué. Il veut pas évoluer lui, hein. D'accord. Ils s'amuseront peut-être, mais ils n'obtiendront pas d'œuf. Van Tempé. Ah ouais. Alors du coup, elle... Ah c'est ça la fleur. Ok. Donc vas-y, soigne-les déjà les cocos. Y a rien pour les soigner là. Bon. Alors. Fertile.
Ah oui, mais c'est que des mâles, ça. C'est que des femelles, je veux dire. Monsieur Coincoin, c'est quoi déjà? C'est haut que je vis là. Attends, je vais reprendre. Alors, attends. Forcément, c'est le seul qui... Oh, faut que je le capte. Donc... Ah! Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, je peux... pas obligé de déplacer cela, en fait. D'accord. Pas intéressant, mais...
250, c'est loin quand même. Allez, c'est parti. J'aimerais bien qu'il puisse évoluer l'autre. Il est choupi lui, dis donc. Poké juif. Ça va, Belette? Hey, bien mieux que Pokémon épée et bouclier en tout cas. Mille fois plus intéressant. Bah, disons que la preuve en est que j'ai presque déjà une dizaine d'heures de jeu sur celui-là et que j'ai joué 2 heures à l'autre et j'ai fait... C'est de la merde.
Ouais, ça va, tranquille. J'attends des potes, je fais de l'impro de jeu de rôle ce soir, ça va être sympa. D'ailleurs, ils devraient pas tarder à arriver, mais tant qu'ils sont pas là, moi je kick. Sinon, je serai avec toi. Ah, il est vraiment cool, DBZ. Ouais, je stream là. Pourquoi? Je stream la partie. Ah, la partie de jeu de rôle? Non, 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 non. Non, non, ça n'a aucun intérêt. Ça. Non, je suis avec les potes et tout. Enfin, je suis pas. Eux, je leur ai pas demandé, je les ai pas prévenus, je suis pas sûr que. Ah, non, je pense pas parce que ça va durer assez tard. Ça va durer assez tard, et puis après, moi je vais me coucher à 10h. Tu sais, maintenant j'ai mis mon petit planning, donc à 11h je fais mon petit stream. J'évite de trop abuser, quoi. Ça m'oblige à me calmer un peu. Tiens, regarde-moi ça. Je lui ai envoyé une petite foreuse dans les dents. Ça va pas lui faire si mal, mais les animations des attaques sur ce jeu, quand tu commences à avoir des bonnes attaques, c'est stylé. Voilà, regarde. Ah. C'est pas Poketoy quoi. Poketoy, je suis géant. Ok. Ben non. Mais encore, je suis que level 18, hein, mais à la fin. Ah bah c'est quand même po c'est quand même Pokémon, mais bon. C'est bien plus réfléchi et bien plus intéressant. Dans les combos, etc., t'as tellement de choses à faire en plus, c'est trop cool quoi. Ça fait du bien d'avoir un jeu Pokémon intéressant. C'est pas un jeu Pokémon du coup, mais. Puis même les dialogues, c'est pas la même quoi. Bon, c'est. Ouais, DBZ, ouais, il doit être cool, mais j'ai pas entendu que du bien hein, sur Kakarot, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va directement empoisonner et on va lui faire un petit fouet tentacule. Vu qu'il est tout seul, ça va le mettre vraiment dans la merde. Parce que le fouet tentacule, ça fait que ça passe mon tour, mais ça passe le tour de l'adversaire aussi. Mais vu que j'en ai un autre. Et l'autre maintenant. Vu qu'il y a un tour qui est passé. Parce que ça, c'est vachement bien pensé aussi. Regarde, tu vois sur mon blizzard. T'as le petit truc bleu. Et t'as une petite barre. Tu vois, tu l'as pas sur les trois autres sorts. C'est-à-dire que je peux le faire que après un tour. Je peux pas le faire directement au premier tour. Ça, c'est bien pensé. Du coup, là, je peux le faire. C'est pareil, cette attaque, tu vas voir, elle est plutôt cool. Là, je peux le faire se reposer parce que de toute façon, il va pas pouvoir attaquer. Donc, j'en profite pour se reposer. Ah, bah, il est mort en fait. Voilà. C'est autre chose quand même, les animations. Moi, j'appelle cette attaque le Mentos. Mais il est mort là donc voilà. C'est marrant avec sa petite cape. Allez, envoie l'XP. Ben oui, bien sûr que je t'ai vaincu. T'étais très mauvais en même temps. Et c'est pareil. Tu fais un badge d'arène, mais rien que le premier, ben tu te fais exploser. T'es obligé d'aller fermer. T'es pas obligé de rouler. Faut pas rouler sa tête sur la manette pour gagner. Ça, c'est bien. Puis même les discours sont mieux. Bon, des fois, j'ai un peu la flemme de tout lire. Mais bon. Oh. Oh, ça sent moins bon, ça. Ça sent moins bon parce que lui, en feu, là. Je vais swap parce que là, j'ai deux Pokémon qui sont.
Oh non, je vais garder ce soin là. Je vais l'empoisonner. Oui, je vais soin parce qu'à mon avis, je vais prendre tarif là. On va partir sur fumeux. Parce que fumeux, il est de glace. Mais il y a zéro difficulté sur Pokémon. Mais ça fait 10 ans. Ils se sont jamais dit, tiens, si on faisait un truc un peu plus dur. J'ai bien fait de changer de Poketoy. Hein. Et du coup, ouais, bah pareil, c'est stratégique. Je savais qu'il allait m'attaquer en feu. Du coup, j'ai mis un Pokémon glace. Ah, ça doit être cool. Ah ouais, ça doit être bien cool. J'ai hâte de le voir. Je pense que là, je vais lui mettre un petit blizzard. Il va pas kiffer. On va rajouter à ça une attaque d'eau. Alors, les deux, c'est des attaques d'eau. Ok. Dans le doute qu'il meurt pas, on lui remet un petit coup de glaçon. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ouais, ça fait mal. Ah, il va me... Ah, c'est bon, il ne me tue pas. Prends-toi, mon blizzard. Le chien. Ouais, mais revanche. Hop. Parce que c'est pareil. Là, ils ont des passifs. Donc là, le passif de Pokémon le plus puissant, c'est de mon Temtem, c'est que quand il se fait tuer, il empoisonne l'ennemi adverse. Et il y a plein de passifs. Et tu peux équiper aussi Temtem. Mais je crois que tu savais, je te l'avais dit ça. Ah bah le jeu est très cool. Le jeu est très cool. Je suis assez content parce que j'ai ce que je voulais quand je t'ai emprunté Pokémon là. Quand je te l'ai emprunté, tu vois, j'avais envie de m'y remettre justement. Je me disais, ah putain, ça va faire plaisir de s'y remettre un petit Poketoy. Ça fait longtemps. La hype, tu vois. Puis quand j'ai vu la merde que c'était, j'ai fait, ah bon, bah. Bon, pas la hype. Est-ce qu'on envoie sa chimie? Allez, on envoie sa chimie. Je sais pas ce qui va lui faire mal, lui. Dans le doute, je vais lui mettre une foreuse. Avec un petit canon à eau. Voilà. Ah non, ça lui fait rien. Coopération, c'est quoi ça? D'accord. C'est marrant, ça. C'est pas ouf, mais... Ouais, bon, je vais swap parce que ça sert à rien, il fait aucun dégât sur lui. Non, même, ça suffira pas. Ça suffirait pas pour me hyper sur Pokémon. Trop de trucs où ils te font chier, et puis c'est pas ouf. Alors que là, voilà, un jeu indé. Et tout de suite, il fait, ah, oh, bah ça c'est intéressant. Ah, oh, bah ça c'est intéressant. Ah, oh, mais ça aussi c'est intéressant. Ah, bah voilà. D'ailleurs, j'ai acheté... Non, je suis pas encore très très loin, ouais. Je suis pas encore super loin, mais déjà, voilà. Et puis, c'est une... faut se dire que c'est un jeu en accès anticipé. Et il vient de sortir en accès anticipé. Donc là, il va encore énormément évoluer, le jeu. Et t'as tout l'aspect aussi multi, qui va être développé sur celui-là. Ouais, ok. Ok. Il est où mon... Parce qu'il y a ça qui est très intéressant aussi. Voilà, la fiole de témérescence. Ah, le flacon est vide. Ça régène tous mes Pokémon. Plutôt que d'aller à chaque fois au centre pour soigner ses Temtem. Ah bah ouais, non, mais c'est mort. 60 balles, c'est beaucoup trop cher. Ah, par contre, j'ai acheté un jeu aujourd'hui. Qui a l'air fort sympathique, ça sera la semaine prochaine.
Ah, parce que là, regarde, tu vas une fois au centre et t'as deux fois tous tes Pokémon en fait. Donc c'est bien. C'est pareil, c'est bien pensé ça. C'est pas casse-couille quoi. Voilà. Et maintenant, si mes Pokémon sont en point, je vais dans mon sac, j'utilise ça, et hop, ça remet tout à fond. Ça les soigne tous à fond. Ouais, voilà. Alors, t'es gentil, toi tu dégages. Et tu me remets mon Défensator. Alors, attends, d'ailleurs. Mais oui! Mais clairement! Alors, ouais, c'est ça que je voulais voir. Ah oui, parce que par exemple, là, c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai sous pression. Le Kalazul, il est bien parce que lui, il combotte avec le feu et il combotte avec la terre. Ouais. Par contre, c'est un élément d'eau. Voilà. Et donc, lui, il combotte. Ah, voilà. Il combotte vachement bien avec lui. Hein. Les deux là, ils se combattent vachement bien. Parce que du coup, ça fait quoi? Priorité, ça enlève la priorité. Ah non, ou elle en fait plus mal. Ah non, ah oui, ok, elle coûte moins cher et elle enlève la priorité. Ah, c'est vachement bien. Et Bubule, ah, c'est avec la glace par contre. Ok, et lui, voilà. Lui, c'est avec la glace du coup. Et avec la glace aussi. Sachant que lui, il n'est pas encore glace parce qu'il faut qu'il évolue. Et dès qu'il est glace, je peux mettre lui et lui ensemble, ou lui et lui ensemble, ça combotte. Dès que lui, il a évolué, je peux mettre lui et lui ensemble, ça combotte aussi avec ça. Avec ça. Avec Urysol. Mon Urysol, il fera le poison, du coup, parce que lui, ça sera un effet poison. Donc, eux, ils comboteront. Eux, ils comboteront. Eux, ils comboteront. Eux, ils comboteront. Et lui. Lui, pas trop, lui. Lui, pour l'instant, il a rien. Mais c'est bien d'avoir. Ah oui, pareil, filtre. Regarde le nombre d'éléments. T'en as quand même quelques-uns. Hein. Je les connais pas tous. Hein. Alors, neutre, vent, roche, eau, feu. Insectes, électriques, ténèbres, je sais pas, combat, je sais pas, je sais pas. Il y en a trois, je connais pas encore. Il va y avoir un type dragon ou un truc du genre, tu vois, je sais pas trop. Filtre avancé. Ah ouais, t'as même les. Ok, tu peux vraiment. Tu sens qu'il a été prévu pour que ça tryhard un petit peu derrière, quoi. Apparemment, j'entendais dire un mec qui est venu sur le stream hier. Tiens, d'ailleurs. Je sais pas si tu peux enlever le follow et remettre le follow. Tu vas voir, ça. J'ai changé un petit truc. Ça va te faire rire, je pense. Le seul truc chiant, c'est que là, tu vois, à cause de ce fils de pute de Gonti, là, je viens de me faire spoil une putain d'évolution qui a l'air trop cool. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que je peux très bien faire un truc genre, hop, hop, interagir, hop, et hop. Je le défie. Et je peux même lui envoyer un message, je crois. Murmurer. Ah ouais, putain. Je vais me faire laver. Ok, ça me semble vraiment. Ha
bon, il m'a spoil aussi, j'y peux rien moi. Hop, je lui envoie sa chimie. Ah, mais il va me spoil là-dessus sur plein de trucs. J'aurais pas vu. Et du coup, ça me spoil pas. Et du coup, je peux m'attaquer entre moi, ça c'est bien ça. Ah bon, il n'y a pas trop besoin en même temps. Le machin, il est level 42. Et voilà, je me suis fait laver. Bah ça va, c'est un combat amical, mais t'as du combat compétitif. Voilà. Donc tu vois, t'imagines un petit peu tout le délire que tu peux avoir. Intéressant. Bonsoir à toi, qui vient d'arriver. Alors, du coup, moi je voulais aller farmer mes tumtums. Ouais, faut qu'il monte de. Faut qu'il évolue la Kalazo, j'en ai marre là. Toujours pas évolué, à mon avis il va évoluer niveau 25, un truc du genre. Le jeu, s'il te plaît. Où le jeu? A plus le jeu? J'ai la musique, mais j'ai plus le. D'accord. Ok, super. On va se faire un petit reset rapide. Bah oui, Toum Toum. Qu'est-ce qui se passe? Mon Toum Toum. Oh, Toum Toum. Reviens. Sois pas vache. Allez, Toum Toum. You can do it. Allez. Voilà, ça se relance. De toute façon, vu l'heure, je pense que je vais devoir arrêter dans pas si longtemps. Je crois que les collègues vont pas tarder à arriver. On va leur faire de l'improvisation sur de la survie zombie. Je pense que je vais leur faire le scénar que j'ai fait quand j'étais en Guadeloupe en vacances. Où je disais à deux collègues qui étaient novices en jeu de rôle, je les faisais arriver dans un crash d'avion. Je faisais en sorte que ça faisait un peu à la Last of Us. C'est-à-dire que les zombies étaient infectés, donc ça sert à rien de tirer la tête, faut tirer dans l'infection, là où il y a la fleur. Ils peuvent fusionner entre eux pour créer des entités hautes de 4-5 mètres avec des bras tentaculaires. Des phases d'énigmes où justement faut rentrer dans des maisons avec des fleurs qui s'ouvrent et faut détruire les fleurs, mais là. Du coup, il y a d'autres types de zombies. Des zombies qui ne voient rien mais qui entendent.
Si tu fais le moindre bruit, ils peuvent te one-shot. Ouais, je pense que je vais les faire stresser un peu. Ah bah c'est bien, le jeu s'est relancé et directement en combat. Mais écoute, parfait, parfait. Ah mais attends, faut pas que je le tue lui, je l'ai pas. Puis il est mignon en plus. Pas bouger toi. Hop. Alors non. Pour bien utiliser une Temtem card, faut faire passer avec le premier. Utiliser la Temtem avec le deuxième, sinon je bouffe deux Temtem cartes pour rien. Allez, Spirole. Comment je vais t'appeler? Spirole. Spirole. Profitrol. Vitriol. Vitriol. Ah non, faut pas que tu relances. c'est moi qui suis tombé. Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. C'est parce que j'ai pas fait la transition. Excuse-moi. Ah, ça va. Hop, voilà. Tout va bien. Alors. Vitriol. Ça me paraît bien, Vitriol. Allez. Vitriol. Ou Vérol. Vérol. Ouais, Vérol. Vérol. Allez. Hop. Ok. Hop. Et voilà, Vérol est avec nous. Vérol est avec nous ce soir. Hop là. Donc on va affronter tous les petits dresseurs qui se dressent sur notre route et puis après on va pouvoir farmer dans cette zone, je pense. C'est clair. Ouais, ça m'a très déçu, Poketoy, là, ces derniers temps. Ouais. Bon, au bout d'un moment, en fait, il y en a trop et le truc, c'est qu'ils sont... Tu vois, moi, c'est ça que je trouve ouf. Pokémon, ça fait combien de temps que ça existe? Franchement, j'avais à peine 10 ans. Donc au moins 20-25 ans, je dirais. En 20-25 ans, à part créer des nouveaux Pokémon, ils sont pas tant que ça renouvelés. Et là, t'as un jeu, paf, ils arrivent comme ça, eux. Et ils arrivent avec des tonnes de mécaniques nouvelles, un gros renouvellement graphique, etc. Putain, qu'est-ce qu'ils branlent, en fait, Pokémon ? Ah, en fait, c'est Nintendo, ils cherchent à arnaquer et à pomper de la thune. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Bande de bâtards. Bon, toi, ta gueule, hein, tu veux mourir. Il m'a regardé de trois verres. Ah! Eh bah c'est parfait, des Pokémon feu. Je vais attendre un tour, tant pis si je vais prendre un coup. Derrière je pourrais leur mettre tarif. Frime. Augmente son attaque, je m'en doutais. Augmentez vos attaques, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, j'ai pas besoin d'augmenter mes attaques pour vous faire mal. Alors, normalement, mon glaçon, il est pas amélioré parce que c'est... Allez, on va faire ça. Ah si, il est peut-être amélioré. Si, si, il est amélioré. Donc là, il me coûte que 9. Et il a une plus grosse priorité. Je sais pas comment pas. En tout cas, je suis à 29. Donc théoriquement, je suis à 20. Au niveau des dégâts, ça devrait être à peu près la même. Et ça, moi, je vais faire Aquaroche. Ils vont pas kiffer. Clairement, ils vont pas kiffer Aquaroche.
Sur lui, vis-je toujours. Je veux pas faire aquaroche. Aïe! Ah, c'est pas si efficace que ça, je suis un peu déçu. Ok, bah je ressors ce poids-là. Ah, je peux pas faire mon... Bon, c'est pas grave, je vais empoisonner celui-là aussi. Ouais, lui il est niveau 29, les gars. C'est un peu plus compliqué de le mettre à terre. Et puis derrière, lui, il va vous faire un petit blizzard. Ça va pas être la même, quoi. Ah, vous êtes plus tonifié. Bah, ça tombe bien. Hop, j'envoie directement Sashimi. Petit niveau, grande espérance. Voilà. Sashimi, à coup de canon à eau, directement pour lui. Et toi, je te blizzarifie ta tronche. Toi... Toi, tu m'as regardé de travers, t'as touché mon Pokémon. Il y a un moment, voilà, je peux pas être. Tu vas prendre mon Mentos. Voilà. On sait non, votre attaque de buff là, ça prend une plombe quoi. J'ai compris. Ça rafraîchit, hein. Allez, prends un Mentos. Hop là. Goodbye, motherfucker. Mais par contre, ça lui fait pas plus de dégâts. Pourtant, ils sont type feu. Et Aqualame, peut-être. Urysol, un petit pipi sur le sol, tranquillement. Mauvaise humeur. Ah, il s'est mis des dégâts. Pourquoi il s'est mis des dégâts? C'est un peu con. Alors regarde, on regarde sur mon perso là. Tu vois la barre de mana qui clignote, t'as la barre de vie qui clignote aussi. C'est-à-dire que là si j'utilise 10 de mana, ça bouffe 10 de mana. Donc ça va commencer à bouffer ma vie. Donc forcément si j'utilise canon en haut, tu vois, je baisse presque toute la vie de mon Pokémon. Ça c'est la strat, pure strat. Voilà. Donc, normalement faut pas le faire, mais du coup... de toute façon il aura pas le temps. Si le Blizzard il sort avant... Ah bah non, regarde, regarde la vie de mon Pokémon du coup. Bam! Ah et en plus j'ai eu un échec de l'attaque. Donc je me suis fait très mal pour rien. Et du coup en plus mon Pokémon est épuisé. Donc du coup je suis obligé d'attendre un tour derrière pour récupérer un peu de mana. Voilà, le dernier tour a éreinté sa chimie. Donc du coup on va changer parce qu'on va essayer de le garder en vie pour qu'il ait l'XP. Et nous, on va balancer sur lui un petit Urysol. Voilà. Bon. Monsieur a 2 PV, ça y est. Ah oui, et l'IA est pas complètement débile. Si t'as un Pokémon full vie, un Pokémon à 2 PV, ça va focus le 2 PV. Allez, Sashimi level 15. Hop. Et là, voilà. Pas besoin de faire un aller-retour. Tu peux enchaîner les combats. Alors, du coup... on va changer mon équipe. J'ai envie de mettre Fumeux. J'ai envie de le mettre là. Avec... Ouais. Avec soit là. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il a Blizzard. Il fait mal. Ouais, ouais. D'accord.
Hoozah! Lui! Ah, par contre, il y a un petit peu. Il y a des chances que ça fasse quand même des dégâts. Alors, on va clairement commencer par ça. Et on va chercher à le tuer lui en premier. Ah! Ouais, donc ça va pas lui faire des gros dégâts. Hop, coucou! Moi je suis électrique! Aïe. Là, l'IA est pas débile. Il attaque en premier mon Pokémon qui fait du... il a pas kiffé l'autre quand même. Hein. On est sur un bail de pas kiffage du tout. Je mûris seul. Non, je me phytosynthèse, comme ça je vais récupérer. Et je pense que je vais faire ça. Ça va m'achever, mais... Oh non, pas besoin. Lui, il va sûrement... Ouais, oh, si, donc toute feuille, hop. What? Je connaissais pas ça. On est sur un bail de trucs assez stylés, quand même. Ah, lui aussi, là, quoi, les deux. Mais tu t'es fait un peu mal, Coco. Oh, ils sont choux. Bon, on va aller focus celui-là. Ok. Clairement. N'importe quoi. Ma collègue qui m'envoie un message. Ouais, je veux pas vous le dire. Oh, ça va, t'es tout seul. Ouais, mais ça va être enregistré, donc non. Je te le dirai la prochaine fois. Ça me fait marrer. Ils sont bêtes. Alors, allez, manipulation d'énergie plus. Vraiment bien ce sort. Parce que du coup, je lui mets un malus. Le malus qui fait que tous ces sorts coûtent plus cher. Et ça, c'est vachement bien. Oh, on devait être 30. Allez, évolue, évolue. Non, non.
Tant pis, on va bizarrer. Oh bon, il est clairement mille fois mort. Bon, j'avoue que mes potes viendraient pas ce soir, j'aurais bien geeké comme un gros porc toute la night. Ça m'aurait bien fait plaisir aussi. Ah, c'est un village, ça. Ah, il y a un autre truc de badge. Il y a deux badges. Il y a juste une zone de farm. C'est léger. Bon, on va aller chercher ça, par contre. Un petit peu d'argent de poche. Ah, les fameuses pommes. Lolilou. Ah, Durian. Ah, mais ça, c'est des trucs qui... Je comprends pas tout. Bon, c'est pas grave, ça coûte trop cher et de toute façon, moi je vais m'acheter mon pareo. Alors, aucun intérêt. Tiens, une autre boutique là, du coup. Une autre boutique, une autre arène. Et les arènes, il y en a deux sur un tout petit endroit ici, quoi. On va juste aller récupérer les quêtes secondaires. Le kaku, le saku, le raku. Le saku. Spiriol, dente. Le teifu. Le vulvir. En vulv. En vulvor, en vulpin. En vue le crâne. Une spirale. Ah merde. Ah ouais, mais... Mais pas de type nature. Je peux répondre la même chose, mais je sais pas où je me serais trompé. Ah ouais, là c'est chiant ça. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de,
de types qui sont là en train de spam les trucs. Ah, moi j'ai la flemme. Bon. Pour avoir deux cacahuètes, je préfère aller niquer des mères, obtenir des sous et acheter des cacahuètes. Chacun sa strat. Ma strat est bien plus rentable. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, un petit débardeur, une petite coupe à la con. Ah, si, celle-là, elle est bien. Ah, si, celle-là, elle est cool. Je sais pas si je préfère les coupes ou celle-là. Ah. Cher. C'est cher. Je pense que je préfère les tresses. Je suis en culotte. C'est génial, je me balade en culotte. Toujours, toujours en culotte. Team culotte. Nigue. Team culotte. Team culotte. Yatta. Je crois que le jeu m'en dingue. Pop, 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 qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, mais... Taras, du coup, je vais aller par là, mais je peux pas. Faut que j'aille péter la gueule à Joel Clodo, c'est ça? Enfin non, c'est juste comme ça, t'as pas mis les bras. Ah! Ok, ouais, faut que je farme. Faut que je farme avec les trois zones qu'il y a là, c'est sérieux. Pas ouf, hein. Pas suffit que je prenne un Pokémon. Bon, ça va être rapide quand même. Sur le clodo. T'as vu le planning au fait? Parce que je pense que ça va te plaire. Je m'en doutais. Ouais. Oh, il y a l'évolution, le petit bâtard. Je l'ai vu, l'évolution, je l'ai pas encore. Alors, toi déjà, hop. Ouh, il est en x2, lui. Bah du coup je vais envoyer Damar. Comme ça il va pas prendre trop de tarifs. Il a
la même idée que moi quand même. Ouais, je suis là petit. Allez, bouffe ça. Un quart. Ah oui, ça lui fait zéro dégâts, quoi. Je suis un peu déçu. Ça va rien lui faire, mais... Il s'est suicidé. Quelle gros tarde. Je peux pas le mettre, sinon lui il prend trop de tarif. Même sa chimie va prendre trop de tarif aussi. Plutôt faire comme ça. Ouais, ça devrait le faire. Ah, il y avait du mieux dans la grotte en fait. Je vais clairement me barrer de là, moi. Je vais dans la grotte. Naga. Je suis un Naga. La ville de Naga. Où il n'y a que des Naga. Allez, on se casse. J'ai une quête par là, tiens, je vais la faire tout de suite. Non, ça va, j'ai pas besoin de les soigner. Malgré qu'on sait jamais.
Alors. Oh merde, c'était là. C'est elle, justement. Ouais. Ah oui! Au fait, un truc qui va beaucoup te plaire. Tu peux faire le jeu entièrement en coop. Voilà. J'en dis pas plus. Vu que tous les combats sont majoritairement à deux. Voilà. On peut se suivre comme les deux que t'as vus là. Juste ça. Ah yes. T'as là, tu kiffes. Bien old school, le Camille. C'est clair. On va pouvoir mettre la life en pause pour faire tous les jeux. Ouais, bah tu m'étonnes. Et bah tatem. Presque évolué l'autre pignouf là. J'aimerais bien pouvoir paramétrer pouvoir paramétrer de forcer le combat à un seul Pokémon, même s'ils sont deux en face de toi, comme ça t'as plus d'XP. Niveau 18. Attends, je vais venir farmer ici moi, si il est niveau 18. C'est à dire qu'il doit être niveau 16 les autres. Bon, pour être sûr, je vais mettre une petite émission bêta et un aquaroche. Non. 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 Goodbye, Michi. Après, il était level 18, le mien, il est level combien?
15. Ouais. Peut-être d'attraper. Level 16 et 16, je suppose. 17, 18, putain, mais je vais rester ferme ici, moi. Hein. Attends, je vais prendre de l'électrique, quand même. Non, je l'ai fini. Tu peux aller voir les vidéos. Ah non, je n'ai pas encore mis les VOD sur YouTube. J'ai fini à 100% du coup. À la fin, c'est n'importe quoi. J'ai envoyé 5 x 5, 25 boules de feu. Je faisais tout. Et ça, vous voyez partout. Le boss de fin, j'ai fait ça. J'étais comme ça, je regardais l'écran, je faisais ça. Voilà. C'était la première fois que je le faisais. J'ai fait ok. Grosse difficulté. C'est trop cool, ils sont tous les deux, 18, je trouve ça génial. Allô. Ça marche. Alors, il faut sonner au 5207. Je te demande juste deux petites secondes avant de sonner. Je coupe le stream, j'arrive. Enfin, tu peux sonner, j'arrive. A tout de suite. Bisous.